Prince Harry, cette obligation qui pourrait l'empêcher de célébrer l'anniversaire de sa fille Lilibet. Du jamais vu depuis 20 ans, un membre de la famille royale va témoigner en plein procès. Le prince Harry sera cette semaine à Londres dans le cadre de son procès contre le Mirror Group Newspapers, MGN. L'audience doit s'ouvrir ce lundi 5 juin 2023, alors que Lilibet fête ses 2 ans ce 4 juin. Le décalage horaire pourrait compromettre sa présence à la fête de sa fille. Le casse-tête du décalage horaire. Le prince Harry est attendu cette semaine à Londres pour témoigner dans le procès qui l'oppose à plusieurs titres de presse au Royaume-Uni. La High Court de Londres ouvrira l'audience dès demain, 5 juin, et le duc de Sussex doit être entendu dans la foulée. Or, compte tenu du décalage horaire entre Los Angeles, où Harry réside, et Londres ainsi que de la durée du vol, il y a fort à parier qu'il soit difficile pour le prince Harry d'assister à l'anniversaire de sa fille, Lilibet Diana, ce 4 juin 2023. Quelques calculs suffisent à évaluer la situation. Si le prince Harry compte se présenter dès ce 5 juin à l'audience, il devra arriver au mieux ce soir à Londres pour être en pleine possession de ses moyens à la barre. Même s'il atterrit dans la nuit à Londres, cela signifie qu'à l'heure où Lobinonde Montecito en ce 4 juin 2023, le prince Harry est déjà dans l'avion pour les 10h30 de vol qui l'attendent, ou en tout cas, déjà à l'aéroport situé à plus d'une heure de route de sa maison. La seule chance pour Lilibet de pouvoir voir son père le jour de ses 2 ans, est que celui-ci ne témoigne qu'au deuxième jour du procès, ce mardi 6 juin. Une hypothèse qui semble plausible, mais le prince Harry aurait prévu d'être tout de même présent dès l'ouverture du procès, même s'il témoigne plus tard. Le prince Harry déjà empêché de fêter l'anniversaire des Archie. Les enfants du prince Harry n'ont décidément pas de chance cette année en ce qui concerne leurs anniversaires. Le sort s'acharne contre la famille Sussex, le 6 mai dernier, jour de l'anniversaire du petit Archie, l'aîné de la fratrie, le duc de Sussex était encore retenu à Londres pour le couronnement de Charles III. Il a justement filé à l'anglaise pour arriver à peine avant la nuit à Los Angeles et profiter du décalage horaire dans ce sens pour pouvoir embrasser son fils pour ses 4 ans. Cette fois, le sens du décalage horaire devrait lui faire défaut en ce qui concerne l'anniversaire de Lilibet. Un casse-tête royal et un vrai manque de...